C'est une opportunité fantastique pour que Paris devienne aimant de start-up. Allez, soyons ambitieux, dans les 3 à 5 ans qui viennent, on se dise, ça fait sens de venir innover et créer dans Paris. On est là à deux titres, c'est de participer à cette table ronde, à ce forum, parce qu'il nous semble que l'initiative de la mairie de Paris est intéressante, remettre l'industrie au cœur des villes et permettre de créer les écosystèmes pour favoriser l'innovation et la création d'entreprises, ça fait sens et ça fait écho à notre positionnement, à notre métier, puis à notre intervention citoyenne. Et le deuxième, c'est effectivement de remettre un titre, le prix de l'entreprise la plus numérique sur la région parisienne. Les nominés sont Mesotic, Terra Mobilita, Eurosmart et Redbird. Et le lauréat est Redbird. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, du big data, mais également des objets connectés, on cherche toujours à aller un peu plus loin et à savoir comment on va mettre à profit ces outils-là pour mieux avancer. On espère vraiment révolutionner le monde de la construction et le monde des carrières. On a créé un cloud collaboratif accessible du coup en ligne qui permet de récupérer les données traitées par nos drones. Donc nos drones survolent le chantier de construction. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir innover et de pouvoir trouver des nouveaux chemins qui ne peuvent venir que d'entreprises novatrices qui se créer dans les startups. Donc on a constitué, nous, au niveau de talent, tout un écosystème au service des grandes entreprises. Donc c'est le mix des deux qui est intéressant. Il est clair que nous sommes en plein dans la transformation numérique de notre offre. Face à la multiplicité des possibilités technologiques et des choix et le caractère stratégique de l'évolution des business models, on sent bien que nos plus grands clients sont parfois un peu démunis pour savoir quelles sont les priorités dans leurs investissements industriels. Il y a certainement place pour des sociétés de conseil pour effectivement les aider dans cette transformation numérique. Et quand on parle de transformation, bien entendu, il faut avoir un acteur en référence. Pour nous, Talent incarne justement cette expertise-là, puisque Talent porte le sujet de la transformation digitale dans des territoires auprès des collectivités locales, mais aussi auprès des industriels, parce que la transformation du territoire du Grand Paris sera un succès si nous-mêmes, l'ensemble des organisations et des entreprises, sommes capables de nous transformer. Et ça, c'est important. Ça veut dire devenir grand pour pouvoir adresser ou accéder à des marchés de plus en plus importants et rayonner à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. And we do it.